mauvaise surprise pour un sous-traitant de HP qui licencie et un bel exemple de coopération scolaire entre Grenoble et Kaboul. Bienvenue dans votre local de Grenoble. Cell Baitel, sous-traitant du Hewlett-Packard à Grenoble. Les 30 salariés de cette petite structure dédiée à la gestion de commandes sont en grève. Leurs emplois sont menacés. C'est une conséquence du plan social qui touche HP. S'ils doivent partir, les salariés de Cell Baitel veulent que ce soit aux mêmes conditions que ceux d'Hewlett-Packard, leur unique client. Là où le plan social HP garantit au moins 30 000 euros à ceux qui devront quitter l'entreprise, Cell Baitel propose entre 1 500 et 4 000 euros. On est un peu bafoué par rapport au travail qu'on a fourni, tout ce qu'on a pu donner pendant toutes ces années. La construction, la société Cell Baitel aussi, avec l'activité d'HP. On a quand même, pendant 3-4 ans, vraiment travaillé dur pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui, qui sont très bons. On n'a jamais été en déficit de notre côté, on a toujours accompli notre travail avec beaucoup de sérieux. Vendredi, jour de grève, le choix du moment n'est pas anodin. Cette période de la semaine peut faire prendre une semaine de retard aux commandes d'ordinateurs portables ou de bureaux en provenance d'usines chinoises et tchèques. Ces appareils sont principalement destinés aux grandes surfaces et c'est de cette façon que les salariés de Cell Baitel entendent faire pression sur la direction du Hewlett-Packard. C'est des gens qui font ramasser beaucoup d'argent pour HP, c'est-à-dire que leur travail génère beaucoup d'argent pour la société HP et c'est le nerf de la guerre. Donc HP, s'ils ne veulent pas que cette entreprise soit en grève comme elle a été en grève aujourd'hui et mette la pression sur ce qui fait mal pour une société, c'est-à-dire l'argent, il va falloir qu'ils mettent l'argent avant. Un jour de grève peut en cacher un autre, désormais syndiqué et soutenu par la CGT HP. Les salariés de Cell Baitel se sentent de taille pour un bras de fer. En cas de victoire, ils seraient intégrés chez Hewlett-Packard pour sauver leur emploi ou pour bénéficier du plan social maison.